Je pense qu'un bâtiment doit être perçu comme un être vivant. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, et pire, des gens qui sont indifférents. Parce que le bâtiment devrait faire naître la même réaction. On consomme l'architecture, on vit à l'intérieur de l'architecture, donc on ne peut pas être indifférent. C'est l'expression d'une culture. Nous passons l'architecture reste de la même façon que tout ce qui nous entoure, le paysage naturel. Elle est beaucoup plus au-dessus du temps que les autres manifestations de l'art. Je pense, encore une fois, comme tout être humain, que chaque matériau peut avoir un moment de gloire. Si on savait comment le mettre en valeur. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de disparaître, de copier ce qui existe, et d'ici 100 ans ou 200 ans, on se demande ça a été fait quand. Je pense qu'il faut avoir quand même le courage de faire prévaloir nos valeurs d'aujourd'hui, un vocabulaire contemporain, où la technologie est présente, où nos attitudes sont telles qu'elles sont. Et donc c'est ce genre de mariage que j'ai essayé de faire. Est-ce que c'est bien? L'histoire va le dire. J'espère que oui.